Tout de suite, dans le magazine de l'auto, l'essai extrême d'un véritable monstre. Le camion de course d'Anthony Janiek, courant en European Truck Racing Championship par Franck Lagorce. À l'âge de 8 ans, on a tous des rêves. Et ben moi, j'en avais un. J'avais même des posters partout dans ma chambre. Je voulais conduire le jour, je voulais conduire la nuit, je voulais absolument conduire. Et bien, dans l'équipe 21, ce rêve, il est là. Qui n'a jamais eu de poster de camion dans sa chambre? Celui-ci, c'est celui de Anthony Janiek. 5 tonnes 4, 1200 chevaux. Pour justement avoir en plus des gros freins ici devant, les freins, on injecte de l'eau. Tellement ça freine fort, on injecte de l'eau pour refroidir les freins à peu près 340 degrés. Et puis surtout, un moteur turbo, c'est vraiment plus qu'un rêve aujourd'hui que l'on vous propose dans le magazine de l'automobile. On fait cet essai assez conséquent. C'est bon, je peux aller bosser ? Donc, en fait, c'est très simple, il n'y a que 16 vitesses. Là, je vais mettre la deuxième. Voilà. On a un démultiplicateur ici, donc il y a 4 rapports au poumon. Il y a un bouton ici pour aller avec 4 en plus. Et ici, les demi-vitesses et les hautes vitesses. Donc ça veut dire 16 rapports. Voilà. C'est pas commun, 16 rapports. Hein. Allez, c'est parti pour cet essai sur ce circuit de charade. Je vais mettre la troisième. Oh, j'adore le bruit. Enfin du bruit. Allez, la chicane. Alors, il y a pratiquement un demi-tour au volant qui ne sert à rien. Faut que je m'y habitue. Les bordures. Quelle bordure? Il n'y a pas de bordure. Là, je suis sur une trajectoire inconnue. Plus d'ici, ça change tout. Les trajectoires changent complètement. On dirait un enfant qui découvre un jouet, enfin. C'est incroyable. La dernière fois que j'ai roulé ici, c'était en monoplace. La piste, elle était super large. Ils ont changé la piste. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable. Quand on change de rapport, le coup de pompe au cul qu'on prend. J'ai jamais senti ça avec tout ce que j'ai essayé. Et ça freine. Oh, ça freine, freine, freine. Allez, ça freine. Ça, c'est vraiment un essai. On pouvait pas faire mieux que de vous offrir cet essai sur le G21. En tout cas, on transpire bien. Ah, c'est ça, rigole. Je suis désolé, quand je descends d'une monoplace, en général, c'est juste là, je ne suis pas habitué à descendre d'un mètre cinquante. Bon, bref, Anthony Janiek, le pilote de ce camion. Anthony, tu as été champion de France et vice-champion d'Europe, c'est en Formule 3 en 2004-2006, si je me souviens bien. Comment on fait de passer de la monoplace, faire une carrière pour aller en Formule 1 et se retrouver dans un camion comme ça? Eh ben, on a à la maison, on a toujours eu des camions, des engins. J'ai un père qui avait une petite société de travaux publics. Donc la passion du camion, les posters dans la chambre, comme tu l'as dit. Et puis, arrivé dans les âges du karting, la passion de la compétition automobile. Et puis, marier les deux, à un moment donné, a été vraiment un aboutissement. Deux passions sur une même passion. Les objectifs pour cette saison 2015? Notre objectif est clair et commun. L'équipe et moi, on voudrait jouer dans le peloton de tête. On sait qu'on en a les capacités. Et pourquoi pas, dans le meilleur des cas, à la fin de la saison, soulever la grosse coupe. Ah oui, parce que la grosse coupe, pour l'instant, tu l'as soulevée une seule fois. Tu as fait 8 podiums. Tout est possible. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dupré. Merci, Franck. C'est bon, il est nickel. J'ai pas trop usé le matériel. On se retrouve très, très vite dans le magazine de l'auto pour un nouvel essai. Il sera complètement différent.